il fait bon jour dans cette pièce, c'est très agréable. C'est trempé. C'est bien parce que quand on s'en va d'un endroit où on a trempé partout étant assis, et ben quand on revient, ça fait tout frais. Donc on se sent bien. Et j'ai du flou sur mes lunettes. Allez, on est reparti. On allait dans plein d'endroits vers là-bas. Je vais me déplacer comme ça. Attends, ça m'a fait peur ça. Ça fait toujours peur ça. Il me disait quoi lui? Faudrait peut-être que j'aille la revoir, non? Non, c'était pas la peine. La réalité n'a cessé de nous ignorer depuis... Oui, d'accord, on a déjà vu ça. Ouais, là, du coup, je vais descendre. Ah, je peux pas... Ouh! Je vais descendre par là. Voilà, c'est là qu'on n'avait pas y été. Du coup, je vais y aller. Oh, petit... Oh, putain, on est à Malinville! Ah... Ah bonjour, en quoi puis-je vous aider? J'anonymouille, oui tout à fait. Moi j'ai de toute façon cessé mes lunettes, je suis maniaque. Moi c'est juste que c'est des verres anti-reflet bleu. Oh, putain, ils sont encore dégueulasses. Oh, et ils salissent vachement plus vite en fait. Ça se salit vachement plus vite. Comme vous pouvez le constater, la plupart des quartiers de cette cité sont touchés par un fléau morbide. Les jardins sont corrompus, hantés par les esprits d'éléphants. Et mes pauvres plantes adorées sèchent, se fanent et atteignent une forme dénuée d'âme. Je me suis mise en quête de récolter des spécimens d'une espèce rare de coléoptères, des insectes d'ivoire. Ah, c'est donc toi. Si par hasard vous en trouvez, pourriez-vous me les rapporter? Je trouve un moyen de vous récompenser, bien sûr. J'ai déjà commencé ma petite. Et du coup, si je leur parle. Oui, c'est parce que des insectes que je vous ai parlé. Tenez, voici une compensation comme promis. Ah, c'est graduel. Oui, ben on va voir. J'ai comme l'impression que je vais mourir. Donc je vais pas y aller. Voilà. Ah, ça marche pas! J'ai loupé le coche. Fallait taper. On profite pour... Ah, c'est le raccourci. Est-ce qu'elle est canadienne cette petite? Parce que le coup de la feuille d'érable, quand même, hein, ça rappelle un peu Rogue Voisine. Ma chère Cecilia. Ah oui, c'est celui qu'on a. D'accord. Les feuilles d'érable, c'est tellement beau. Quand je joue à la Nintendo. J'irai bien en bas, mais d'abord... Je vais suivre le chemin. Ah, je ne peux plus. Il faut rebooter le chemin. Ah, merde.
Ah putain, pas ces trucs de merde. Merde. Il y a un truc là, je peux pas y aller, putain. Prions les enfants. Prions. C'est de là qu'on venait la dernière fois. Ok, bon du coup. Explorons. Faisons l'explorage. Si moi je frappe plus fort qu'avant. Oui, c'est vrai, putain, ici. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Et là, du coup, je remonte en haut, puisque je ne peux pas remonter en bas. Ok, d'accord. Bien ça. Ah la logique hein. Ah là là, ça fait plaisir. Je suis en train de me dire que ce serait vachement bien un jeu Alice au pays des merveilles, mais comme dans le roman vraiment, qui s'amuse pas comme dans Kingdom Hearts quoi, vous voyez vraiment comme dans le roman, genre il faut que tu restes immobile pour avancer. En fait, pour finir le jeu, faut pas bouger, des trucs comme ça, quoi. C'est pas être rigolo. Avant de traverser ça, il y a un balai, Alice au pays. Mais ça ne m'étonne même pas, ça, Kimi. Ça se prête au balai en plus. Perle terne. Eh ben, vas-y, fais péter. Un nuage de poison à l'impact. Ah, ça peut être sympa. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais garder ça pour le moment parce que. Au moins, il crée encore plein de trucs. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a plein de ballets. Je sais pas, il y a pas. Ah non, c'est des il y a plus de comédies musicales que de ballets, oui, c'est sûr. Ah, voilà, on est reparti pour la mammographie. Ah puis c'est vrai que ça va. Attention, on esquive. Maintenant. Putain, joli. Je suis trop fier de moi. Alors, vous avez deux petites boules, là. Merde. Ah putain, j'aime pas pisser de long, ça. Attention. Clic. Putain mais... Ah merde. Putain.
Ah, c'est la crotte là. Le truc qui est le sol qui s'effondre et tout. Alors le truc qui est chiant aussi, c'est qu'il faut bien attendre que la roulade soit terminée avant de sauter. Putain, je vais encore crever quoi. Genre, hop. On peut pas sauter quand on veut pendant une roulade et ça c'est un peu chiant. Bonsoir Artsilg. Je vais bosser le jiggle physique. Enfin, en même temps, on le frappe dans les nichons, donc... Mais putain! Non, je vais rattirer du monde avec cette phase. C'est pour ça que je fais durer. La sorcière de la corruption. Oui. Je joue de moins en moins bien. Ah putain, d'accord, elle rigole et tout aussi. Ouah, elle fait des trucs nouveaux. Mais bordel de merde. J'y arrive de moins en moins. Ah merde, je suis... Bon d'accord. Si tu veux vraiment faire durer, il faut en sorte qu'elle apparaisse deux fois à l'écran avant d'y passer. Ça veut dire qu'il faut aller se coucher. Là, c'est possible. C'est pas nécessairement une mauvaise idée. De se concentrer, mais quand les plus les trucs sont lents, plus j'ai du mal, j'ai remarqué. Putain, mais nique ta mère. En fait, c'est quoi l'histoire du jeu? Bah, il y a une reine qui est devenue méchante, et du coup, toute la contrée est devenue maléfique, et les gens sont pas bien, et puis bah toi, t'es une petite sorcière, une petite mage, ou je sais plus, une prêtresse à la feuille d'érable. Et aux jolies soquettes et aux jolies chaussures qui vient pour délivrer le royaume. Tu viens de la petite contrée voisine. Tu es l'étranger de service. Et tu frappes les grosses sorcières dans les nichons. Mais nique ta mère. C'est une canadienne qui du coup faut le taper la poitrine. C'est ça. Et c'est lent et c'est chiant. J'ai encore failli tomber à cause du fait qu'on ne peut pas sauter n'importe quand on fait une roulade, et ça c'est chiant.
C'est la deuxième fois que je l'affronte, hein, Madame Grenichon. Ah, je l'avais pas vu, merde. Et la première fois, j'avais déjà dit que ça me faisait penser au boss de Cuphead, la grosse sirène. Putain, mais je vais mourir avec cette merde. On recommence. Ah si, si, il y a des waifus. Ah bah ça ramène bien du monde, hein. C'est triste, hein. C'est triste ce que c'est devenu Twitch. Le OST de Cuphead est trop bien. Le OST de Cuphead, c'est une des meilleures OST du monde. D'ailleurs, même le jeu est un putain de chef-d'œuvre. J'ai trop kiffé. Encore une fois, j'attends avec impatience le putain de DLC. Dès qu'il sort, mais on se le torche, je vous raconte même pas. Cuphead, je me suis bien buté dessus à l'époque. Hein. Bah, c'était une des premières VOD de Popol Gaming. J'ai tout fait en rang S. J'étais tellement fier de moi. Enfin, je l'ai pas fait en rang S sur Popol Gaming, mais. Mais je l'ai fait en. Ah putain, mais non! J'ai glissé alors que je me débrouillais bien! Tu veux dire que les gamers n'étaient pas dépressifs? En manque d'humour? En manque d'amour? Allez! C'est comme ça que je jouais la dernière fois. Non, pas comme ça. Merde, faut que je me soigne. Allez, je vais la voir. Ah, bordel. Non, 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 non. C'est pour le scénar, on est d'accord. Non, non. Oh putain, on a un miaouss. Je suis devenu un miaouss. Oui, la guerre. Ah, c'est ce qui me permettra de me faufiler après. C'est comme ça que je vais passer dans les interstices. Putain, un chat avec une feuille d'érable dans la bouche. C'est pas souvent les jeux qu'on joue des chats, je suis en train de me dire. C'est un peu le roi lion aussi, le jeu le roi lion quand il saute. Un insecte d'ivoire. Mais dis donc, ce serait pas un insecte d'ivoire? Ce qui est bien, c'est que même en petit chat, je peux faire les mêmes trucs et je suis toujours aussi fort. Et ça, c'est cool. Je suis un petit chat, petit chat. Jeune Anonymous. Jeune Anonymous. Donc c'est par là qu'il faut que je passe. Donc j'aimerais bien voir ce que le monde a à m'offrir aussi, s'il vous plaît. Il y a tant de richesses à obtenir. Voilà, comme par exemple des passages secrets. Mon gâteau, merde! Ah merde! Ah je suis désolé, je crois que t'es un méchant.
peux pas le frapper en fait. Bonjour. Ça va? D'accord. Ah non! Ah non, 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 non. Ça, je suis pas d'accord, madame la soubrette infernale. Merci. Bon, bah, continuons. Petit miaouche! Ah! Inspectons. Orbe félin. Ah, c'est-à-dire que je vais pouvoir me transformer en félin quand je veux, c'est ça? Grâce à quel... à quel bouton? Comment je fais? Ah d'accord, c'est un... D'accord. On va le mettre à la place de ça. Attends. Ok. Putain, c'est cool. Ça veut dire que je peux accéder à plein de trucs Shanonymous Unlocked. C'est-à-dire que je peux accéder à plein de zones maintenant que je suis un petit chat. Ça va chier. Donc on va tout se refaire. Ah merde. Les voilà. Les envahisseurs. C'est mort. C'est parti. Seul malus qu'il y a à être un petit chat, c'est que tu peux pas te régénérer. Ah oui, c'est vrai que j'ai choisi le meilleur endroit. Okay. Faudrait faire un recueil de calembours. Alors attendez, parce que là, je sais plus exactement, il y a des trucs là-haut ou pas. On sait plus, nous ne sachons plus. Ouais, non, y'a rien. Un chan dédié sur Discord. Non, on a dit qu'on arrêtait de dédier des chans à tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre ça dans, je sais pas. Ah, j'avais pas été là, putain. C'est vrai que j'ai dit je suis autre chose avant d'aller là. Et du coup j'ai pas allé là. Alors maintenant je vais. Campanule. Hôtel Grul, Campanule. J'ai 7 campanules, dis donc. Ah bah maintenant je peux traverser. Ah, c'est pas traversable friendly en fait ici. D'accord. Et bah va t'y refoutre.
Mine de rien, on s'habitue à la chaleur. J'ai même pas besoin d'aller pisser. Parce que j'évacue tout par la sueur. Oh, il s'est suicidé ou il a mis ses trucs en mode... Je suis le petit chat. Cours après la lumière, le petit chat. Il est où, Michel? Michel, il y a des petits chats. Bonsoir, Riulix. Et salut la Janosphère. La Janosphère. C'est bizarre. Yeah. Je suis un petit chat, alors je chasse les mouches. Ah, puis je peux pas utiliser ça, fait chier. Il y a quelque chose par là, je sais plus. Ouais, non, il y avait rien. C'était de la daube. Bonne nuit, Célia. Je suis le petit chat. Ah merde. Ah putain. Faut que je me retransforme là, ça va plus. Attends ça, 23 viewers, t'as pas honte? Spectateur, on dit. C'est vrai, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce stream de l'enfer? C'est l'histoire du kiki. Le petit chat tout mignon. Ah, il y a forcément un truc ici, c'est pas possible. Je sauvegarde en petit chat. Ah, c'est... Oh, c'est... On a la voix quand même, la madame. Je suis le petit chat. Merde. Ça fait quoi si on leur reparle en chat? On peut pas. D'accord. Bah ils vont pas parler à un chat, hein. Ce serait débile. Il y a un tout. Ouah merde, j'ai une abeille. Putain, c'est une abeille ou c'est une guêpe? Fais chier.
Le bruit. Bon, c'est que ça sert à rien d'aller là. Non, non, abeille, viens pas m'emmerder, s'il te plaît. Ah putain. Là, il y avait rien. C'est bien les abeilles, mais dans les ruches. Va dans ta ruche. Allez, hop, c'est par là. Là-bas. Va dans ta ruche. S'il te plaît. J'en suis où? Janoni flippe. Non mais ça va, c'est juste que les insectes c'est chiant en général. Quoi. Et c'est pas très pratique. Surtout là elle va sur mes popoles, je sais pas ce qu'elle fait. Je suis où? Je suis par là. Tout va bien. Merde. Eh merde. Ah non, pas dans mes cheveux, putain. Faut qu'elle se casse, hein. Faut te casser, hein. Putain, elle est folle en plus. Chut. Ah, ça vous fait marrer, hein. J'en ai marre de jouer avec des handicaps, moi. Ah, je suis déjà venu. Mais merde, je suis con. J'avais même pu me concentrer. Il faut descendre. Ah bah il peut pas prendre, bah, il peut prendre, même pas prendre les échelles. Mais arrête, arrête de me passer devant la gueule. Attendez, j'ai pas tout fait. C'est très...
stressant. Ah non, c'est là qu'on est. Mais arrête de queener. Mais putain. Je suis pas concentré sur ce que je fais, elle arrête pas de me voler autour, c'est chiant. Bon, je suis désolé si ce qui se passe ça se répète un peu. J'arrive absolument pas à me concentrer. Mais ça va venir. On va s'habituer à sa présence. Ça fait absolument pas chier. Voilà, donc j'ai fait tout ce qui est en bas. Hein. On est d'accord. On a pu aller en bas. Ah, je pète comme un sagouin. On veut un nom pour cette abeille. Bichette. C'est bien Bichette. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. J'ai nos bichettes. Elle est où? Bichette! Ah si, elle est là, elle est derrière. Elle était sur mon épaule, lol. Gatsby. Bonsoir, j'ai les mystères, j'ai pas vu. Il y a plein de gens que j'avais pas vu. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire le petit chat ici? Non. Allons tout au fond. Les bellissons, comme aurait dit mon grand-père. Ah bah voilà. Quoi, c'est tout? Mais c'est rien. Il se passe rien. C'est quoi cette arnaque? Putain, nique ta mère. Bichette, arrête. Tu me perturbes. Je vais tout acheter à toi. Oui. Bientôt Bichette canonisé dans les mémons-nous. Ah, et attends. Je vais venir en chat. Adorable petit chat, vous faites. C'est tout? Putain. C'est tout. T'as même pas un petit, une petite récompense, rien quoi. Et bah, va bien niquer ta grand-mère. Je sais pas pourquoi la grand-mère, mais c'est pas gentil en plus. Nous n'avons pas la clef. Ah putain. Baf dans ta gueule. Des baf en stéréo, des baf en stéréo. Ok, merde, il faut qu'on... Putain de chier. Ah oui, forcément.
C'est coincé entre mon œil et la lunette, quoi. Pas faire ça, bichette. Bon, je vais sûrement être obligé d'arrêter le stream. Je sais même plus par où je suis pas allé. Il s'est fait bifler, oui, c'est vite le ralenti. Ah non, mais moi je suis le roi de l'improbabilité, hein, tu sauras. Hein. S'il y a quelqu'un qui doit pas avoir de bol dans la vie, c'est moi. Donc elle va me piquer dans le globe oculaire. Ou sur le bout du gland aussi, il y a moyen. Mais si elle continue comme ça, moi je l'éclate, hein. Oh merde. Putain, ça me stresse. Bon, il est 23h15, je vais m'arrêter là. Retourner l'écran de titre. Oui, c'est ça. Ah, maintenant j'aurais pu faire quitter le jeu, je suis con. Je suis tellement. Je suis pas bien. Arrête ton stream pour cause de bichette, l'abeille. C'est ça. C'est ce qui va se passer. Je vais remettre de la musique. Je fais la transition des familles. Je vais. Merci pour le raid à 52 teams. Juste au moment où j'arrête. Et merci Ryulix pour les 20 bits, j'avais pas vu. Pour refroidir l'ambiance, comment dit-on, soutien-gorge en créole. Sac à néné, d'accord, ok. Putain, mais c'est fort. Alors, je vais essayer de virer l'abeille. J'arrive. Écoutez, je ferai la chasse à la bichette après avoir fini, après avoir... Ah, elle va du bon côté. Peux-tu te casser? Non, par là, par là. Je t'ai ouvert la fenêtre en grand. Rejoins les tiens, ton peuple t'attend, enfin, merde. C'est pas possible, hein. Là-bas, je t'ai dit là-bas. Par là. Je sais que les mouches ça marche d'habitude. T'y étais presque. Il fallait pas virer. Attends, y'en a une deuxième? Ah non. Ah, elle est tombée. Pourquoi tu tombes? Non mais faut pas tomber. Je sais que t'es crevé, mais il faut se casser. Casse-toi. Y'a pas de miel ici. Allez, y'a pas de miel, dégage. Y'a pas de fleurs à polliniser. Studio Jeannot, c'est la reine des abeilles. Le stream ne sera pas coupé tant qu'elle sera là. C'est bon. Allez, vas-y. Non, mais non, reviens pas. Ah, elle tombe, hein. Elle est crevée, elle est fatiguée, elle tombe. Ah, elle réapparaît de l'autre côté.
Me semble que c'est bon. J'ai vu se casser la gueule par terre près de la fenêtre. Elle a dû se relever et passer dans la fenêtre. Oh putain, non, elle est là. Bichette. Elle s'est jetée sur le fond vert. Moi, c'est un truc violent. Hein. Ah, voilà. On va essayer de la... On va essayer de la capter sur une feuille de papier. Toujours avoir les scripts de son épisode. Ah non, 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 merde. Putain, c'est chiant, c'est vous. Vive la nature, quoi, merde. Faut changer le titre du live en jeu chasse bichette. Non bah écoutez, je vais arrêter et je vais vraiment me concentrer sur la chasse à l'abeille parce que là elle devient vraiment folle, elle commence à voler partout. Je suis actuellement mort de rire devant mon ordinateur personnel. Du coup Jeannot, pour le petit jeu anniversaire, est-ce que je poste à l'arrache sur Twi? On garde la surprise et je t'envoie ça genre en DM. Je partage le jour même, mais voilà, tu peux peut-être t'organiser avant. As you wish. J'aurais dit, c'est pas un truc original de Guedin, juste un délire un truc yolo adapté à l'univers quichesque. Oui, envoie Anon sur le Discord. Y'a pas de soucis. Bon, écoutez les gens, moi je vais devoir rendre une abeille à ses parents. C'est assez important là, je crois que c'est assez... assez nécessaire. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous... Déjà, merci d'être passé et d'être resté aussi longtemps pour ce live incroyable qui aura commencé et terminé dans une condition incroyable. Il se passe toujours des trucs de dingue. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui subs et qui follow à cette chaîne, parce que franchement, il se passe toujours des trucs. Il se passe toujours des trucs de complètement de fou. Du coup... Attendez, je prépare la musique. Je vous dis à vendredi soir pour l'anniversaire de la chaîne YouTube, pour les 6 ans de la chaîne YouTube. Nimous, on est resté pour Bichette, oui, je m'en doute bien. Vous êtes venu pour les problèmes, vous êtes resté pour Bichette. Merci Rulix pour le mois, pour le sub. Merci beaucoup. Je veux dire, oui, prenez soin de vous, gardez la web attitude, mangez des quiches. Passez une excellente nuit, j'espère que ça se refroidit chez vous et que vous aurez plutôt chaud, et que vous aurez un peu de fraîcheur dans les restos du cœur. Et donc voilà, donc du coup, à vendredi, des bonnes nuits, des bisous, des tout ça, des plein de choses. A plus! Non, c'était pas ça, je me suis gouré de transition, décidément, on n'arrête pas. Hein. Fin du stream, voilà, c'est ça. A plus, à vendredi, on espère que ça se passera mieux. Et qu'il n'y aura pas une bichette, mais deux bichettes. Ciao, bonne nuit.